Le testament que dessus est fait à Narbonne le 23 mai 1642 et signé par moi, Armand Duplessis, cardinal, duc de Richelieu et de Fronsac. Signé Colmardo. Je n'ai plus ni force ni courage. Signé en mes lieux et place par devant Maître Pierre Falconis, notaire du roi, par Monseigneur l'éminentissime cardinal Mazarini. Donne la preuve que le Saint-Père est infaillible. Car il m'a dit le premier mot de sa seigneurie, le cardinal, le duc, sera non. Le dernier aussi. Mantoue restera français. Je tiendrai Casal qui commande l'Italie du Nord. Et j'ai trahirai votre duc de Savoie qui marchande le passage de ses précipices. Et qui maquignonne avec l'Espagne au cul de mon cheval. Et puisqu'on me dit aussi que vous êtes le négociateur du Saint-Père... Oh, Monseigneur, la neutralité du très Saint-Père est éblouissante. Grâce à vos discours, mais peu sûr. Non, pas de paix. Parleriez-vous 20 ans que je ne céderai pas. Je lègue ma bibliothèque à mon neveu. Mais vous la surveillerez de près. Aussi fidèlement qu'au premier jour, Monseigneur. Le premier jour, Giulio. C'était l'affaire du passage de Savoie. C'était à Lyon. Il y a 12 ans. Hier, dirait-on. Monseigneur, si c'était un vrai diplomate, je travaillerai à me servir dans l'esprit de votre éminence pour l'amener doucement à croire que l'idée que je veux lui donner de la situation vient d'elle et pas de moi. Et ce serait une faute. Pourquoi? Parce que votre éminence ne peut faire d'erreur. Voilà qui m'inquiète. Vous êtes dans une position si haute que vos actes fabriquent la vérité politique. Seulement politique? Non. Il y a quelque chose. Au-delà des ombres du duc de Savoie ou des incertitudes de Sa Majesté d'Espagne ou même des silences du Saint-Père, au-delà, Dieu mesure une sorte de destin dans lequel se composent les peuples de la terre à un moment de leur zénith. Ceux qui saisissent par éclair ce destin et qui l'épousent sont les maîtres ou le deviendront. Ils font plus que la vérité politique, ils font l'histoire. Et l'histoire est comme le tressaillement d'un muscle de Dieu. Quel âge avez-vous, Signor Mazarini? 28 ans, éminence. Venez donc dîner tout à l'heure chez moi, s'il vous plaît. Je sais bien que vous avez gagné. Mais saviez-vous ce que vous risquiez, Signor Mazarini? De tout perdre. Je suis toujours prêt à tout perdre. Et vous prenez ce que vous faites pour plus important que vous-même, je l'ai remarqué. Soyons francs. À Casal, que cherchiez-vous? Se précipiter entre deux armées à peine relevées de la prière, qui pointent les mousquets, et hurler comme un diable, la paix, la paix! Sans se faire tuer, c'est un pari. Et réunir les maréchaux espagnols et français, et les convaincre en un quart d'heure de s'embrasser, ça, Monseigneur, c'est un calcul. Oui, d'orgueil. 10 mois avant, je n'avais pas pu vous amener à la paix. Je voulais la prendre et venir vous la remettre. En somme, vous êtes un entêté. Vous m'avez volé ma bataille. À vous seul, vous avez triomphé de 2 armées. Le pape va vous faire chanoine
Et toute l'Europe parle de vous. Il y a là de grandes promesses. Monseigneur, si le sort m'éloignait de vous, je préférerais être jardinier ici à Rueil, à m'occuper des fontaines et des roses et des abeilles. J'ai décidé que votre pouvoir de persuasion serait surveillé de près. Je vous enchaîne à Paris. J'ai demandé pour vous l'annonciature au Saint-Père. On lui a ouvert 8 fois les veines. Il a peur d'un complot. Joliot. Attendez que j'ai une preuve. Ce petit Saint-Marc sera balayé. Joliot. Ce testament ne vous donne rien. Parce qu'il vous faudra peut-être faire oublier que vous me serviez. Votre éminence m'a déjà fait plus cardinal que le pape lui-même. La partie sera difficile. À travers moi, vous êtes presque devenu le ministre du roi, vous aussi. Et après moi, vous ne serez plus rien. Vous irez plus haut. Si, comme je le pense, Bouillon est de ce complot, ce sera l'occasion de lui prendre Sedan. J'en ai besoin pour être libre vers l'Alsace. N'oubliez pas, l'Alsace doit être au roi un jour, jusqu'à la dernière ville. Pensez beaucoup aux personnes, Colmardo. Moi, je pense aux villes. Je ne vois qu'un homme pour me succéder. Peut-être. Encore est-il étranger. Je n'ai jamais vu un tel jeu entre les mains d'un anse extraordinaire. Et qui gagne ailleurs qu'aux cartes. Dites-moi, Seigneur Joliot, on raconte que vous jouez au surnom chez la marquise de Rambouillet. Que vous vous nommez Colmardo. C'est ça. Monseigneur, aux yeux de Rambouillet, la difficulté pour un anse est d'avoir le rôle de berger. On m'a demandé qui pouvait être berger cérémoine. C'est le plus humble. Celui qui fait tout, celui qui coupe les choux pour l'étable. Les frères Colmardo. Pour vous servir, Monseigneur, aussi besogneux qu'un berger dans l'église. Dans l'église? Mais vous n'êtes pas prêtre, Seigneur Colmardo. On m'a dit que pour devenir chanoine, la tonsure... Un simulacre, monseigneur, des ciseaux en taillant le vide. Je suis un simulacre de nonce qui n'a pas été ordonné prêtre. Un simulacre d'italien, puisque me voilà plus français que romain. Je parle également mal un simulacre de plusieurs langues, même ma langue maternelle. Je suis un simulacre d'homme de guerre qui déteste le sang versé. Je finirai par être quelque part un simulacre de diplomate ou de petit ministre dans un simulacre de petit état. Pourquoi pas simulacre de cardinal? Il n'est pas besoin d'être prêtre pour être prince de l'église. Je réfléchissais l'autre jour avec mon vieux père Joseph. Vous savez convaincre, Giulio. Moi, j'aime vaincre. J'aurais besoin d'un négociateur comme vous pour mener les pourparlers avec le Habsbourg d'Autriche qui va nous déclarer la guerre. Il y faudrait ma fermeté et votre souplesse. Le Saint-Père m'accuse déjà de trop de saleur à servir la France. Je sais. À vous dire vrai, j'ai peur que les Espagnols obtiennent votre rappel à Rome. Merci, messieurs. À demain. Voilà nos 3 ministres du conseil privé. 3 beaux renards. Solide appétit.
sur qui pariez-vous? Chavigny? Le vieux Denoyer? Ou l'Italien? Chavigny. Je suis inquiet. Le roi m'en veut, c'est évident. Chavigny lui aura soufflé que l'idée d'une régence de la reine après sa mort venait de vous. De moi? Je sais trop que Sa Majesté déteste la reine. La mort de Monsieur le Cardinal n'a rien changé. Vous devriez en user comme faisait feu le Cardinal. Il offrait sa démission pour que le roi le rattrape par ses trousses. Merci, messieurs. À demain. Monsieur Desnoyers a eu l'idée étrange d'offrir sa démission. Et le roi qui n'attendait que cela. Maintenant, qui va manger l'autre? Monsieur Voiture en fera une fable. À la mode cynique. Je m'efforcerai d'y suffire seul, sire. Piquin. Et de deux. Décidément, Chavigny tenait un peu trop à cette idée de régence de la reine, hein? Trèfle. J'ai peur, monsieur le cardinal. Sire, il fait beau. À Münster, avec les Suédois, nous allons peut-être faire avancer la paix avec l'Autriche. Et vous tenez dans votre main toute la vie qui tâtonne. Il est beau, n'est-ce pas? Ah, celui-là ne connaît pas encore la fourberie. J'ai peur, non pas de la mort qui approche, mais qu'après moi tous se ruent sur l'héritage. Les grands attendent voracement leur part au grand banquet. Mon frère, Orléans, va encore trahir. Et la reine. Avec la reine, l'Espagne va triompher. C'est horrible. Vous ne dites rien. Ce n'est pas à moi de dire que ceux qui choisissent un pays par mouvement du cœur lui sont souvent plus fidèles que d'autres qui y sont nés. Mais vous avez oublié la vie même. Votre dauphin, sire. Il sera roi. La reine a été espagnole. Mais avant toute chose, elle sera mère. Dieu. Que je voudrais avoir la force de mettre mon dauphin à cheval. Il suffirait d'un conseil de régence où les voix les plus fidèles pourraient soutenir la reine contre vos ennemis. Si vous pouviez dire vrai. Et tout. Monsieur le cardinal avait une lourde rigueur. Ouvrez la cour aux exilés. Donnez-vous le bénéfice du pardon. Il convient donc que mon frère revienne. Oui, monsieur. Et tous ceux que feu le cardinal avait éloignés de votre majesté. On surveille mieux les gens de près. On peut les couvrir de cadeaux, de questions. Mon frère. Vitry, Bassompierre, les trois Vendôme. Mais pas Madame de Chevreuse, n'est-ce pas? C'est le diable. Qu'en dirait le cardinal? La politique du cardinal et la nôtre ne diffèrent pas sur les objectifs, seulement sur les moyens. Il est bon avec vous de pardonner. Si ce pauvre monsieur de Saint-Marc. Laissez la vie vous apporter quelques douceurs. Je vais mourir, monsieur le cardinal.
Mais je veux préparer ce conseil de régence. Et je veux même davantage. Monsieur le cardinal, vous n'êtes lié qu'à moi. Je veux que vous soyez parrain de mon dauphin. Monsieur le cardinal qui vous demande audience secrète. Et l'astrologue me dit que je suis sous un signe de rouge. Monsieur le cardinal. Le voilà. Mon petit roi, chéri, s'il vous plaît, posez la brosse et saluez bien monsieur le cardinal. Bonjour monsieur le cardinal. Monsieur le cardinal, vous aviez souhaité que cette rencontre fût très privée. Je vous en donne le lieu, en attendant que vous m'en donniez les motifs. Madame, je dois remercier d'abord votre majesté, qui m'accorde un plaisir encore plus grand que celui de voir la reine. C'est celui de voir ensemble la reine et monseigneur le dauphin. C'est d'ailleurs à tous deux que s'adresse ma demande. Le roi m'a fait un honneur insigne. Il m'a choisi comme votre parrain, monseigneur. Ce choix me comble. Mais il ne me comblera jusqu'au fond du cœur que si votre majesté elle-même l'approuvait. Mon avis n'a jamais compté beaucoup auprès du roi, éminence. Le roi désigne le parrain du dauphin. La reine choisit le parrain de son fils. Votre robe m'assure que le roi a pris là une décision pieuse. Non, c'est une décision politique, madame. Le roi a songé que je ne suis lié ni à son frère, le duc d'Orléans, ni à vous-même. Et que vous êtes fidèle au souvenir de feu, monsieur de Richelieu? Oui, au grand dessein du cardinal pour le royaume, mais les chemins peuvent différer. Dieu m'a permis d'en convaincre le roi lorsqu'il a rappelé d'exil tous ceux qui s'étaient rebellés. Soyez-en remerciés. Avec ce pardon, vous avez aidé le roi à préparer son salut. Madame, sa majesté est bien faible, bien malade. Elle a surtout souci qu'après elle, son successeur soit entouré. Je sais. Elle a surtout souci que je ne sois pas seule régente. Monsieur de Chavigny avait su persuader sa majesté de la nécessité d'un conseil auprès de vous. Mais l'important n'est pas que ce conseil existe dans le testament. Ni que monsieur, frère du roi, préside ce conseil. Vous y auriez aussi des serviteurs. L'important, madame, c'est de rejeter dans le passé tout ce qui fut discorde ou différent. De n'avoir plus qu'une volonté, un amour unique pour assurer le règne de cet enfant. Le temps vient de grands basculements. Un jour, l'Europe entière peut obéir à ce royaume. En attendant, le conseil de régence obéira à monsieur contre moi. Si Dieu exigeait que le roi meure, ce conseil... Ce conseil ? Rien n'est plus fragile que ses testaments. Lorsqu'un parlement les prend dans ses mains, il se casse. Quand le roi mourra, sa volonté risque de mourir avec lui. Et celui qui l'a fait parrain de son dauphin disparaîtra tout le premier, si vous le souhaitez. L'Italie a des retraites lointaines. Vous n'y êtes pas encore, monsieur le cardinal. Madame, j'y aurai comme le plus précieux de mes biens. L'amour que je porte à servir. La famille royale. Petit roi,
Allez, venez vite vous habiller, c'est l'heure. Voici un dauphin que le baptême a fait renoncer à Satan et remettre à Dieu. Comment avez-vous nom à présent, mon fils? Louis XIV, mon papa. Pas encore, mon fils. Pas encore. Mais ce sera peut-être pour bientôt. Souvenez-vous, mon fils, que monsieur le cardinal est votre guide. Je souhaiterais plusieurs vies pour pouvoir les employer au service du roi. Les forces me manquent pour aller laver les pieds des pauvres. Vincent de Paul, je veux que mon dauphin m'y remplace. Avant la séance. Je l'ai déjà assuré deux fois, votre éminence. Je veux savoir toutes les audiences de la reine ce matin. Informez-vous. Vous êtes inquiet, monseigneur? Sœur, j'ai pris un fichu risque. J'ai envoyé à la reine ma démission du conseil de régence. Mais le Parlement vient de casser le testament. Il n'y a plus de conseil. Justement, j'ai écrit avant. Ma lettre était faite pour que la reine voie qu'à mes yeux, elle était la seule reine, quoi que puisse dire le Parlement. Pour le reste, peut-on espérer que la reine, c'est une femme, et même une très belle femme. L'heure, le vrai roi, sera le futur ministre. Ah, j'ai eu si peu de temps pour convaincre. Père Vincent Paul. J'ai le sentiment d'un péché. Je devrais avoir le cœur déchiré. Vous n'avez pas encore eu le temps de souffrir, madame. Je me sens vide. J'en ai honte, mais d'une certaine façon, je me sens aussi presque libre. Croyez en l'aumônier des galériens et des condamnés. Votre prison vient seulement de s'agrandir. Conseillez-moi, Père Vincent. Je me suis donné des espèces de conseils paysans. Vous êtes reine de France. Mais ça me fait peur. Je suis toute seule avec cet enfant. Je crois que votre royaume doit passer avant toute chose, en vous-même, avant votre ancienne famille d'Espagne, avant vos amitiés et vos désirs. Parce que votre royaume, c'est pas un dessin sur une carte. C'est des millions de gens dont vous avez la charge.
Le deuxième conseil, parce que votre caractère vous pousse à un premier mouvement un peu vif, c'est d'éviter les discordes. Le cardinal Mazarin me dit ça aussi. Alors écoutez-le. Qu'en pensez-vous, mon père ? De quoi ? Cardinal Mazarin ? J'ai demandé conseil. Le confident de monsieur de Buckingham, Lord Montaigu, des gens honnêtes, me disent que le cardinal n'appartient ni aux grands, ni à la noblesse, ni au Parlement, ni même à l'Église, puisqu'il est seulement dignitaire. Il n'existerait en toute chose qu'autant que la royauté le voudrait bien. Moi, j'entends pas grand-chose à tous ces détours politiques. Il y a beaucoup de gens, en ce moment même, qui se réjouissent de la mort du roi comme d'une victoire. Ils pensent que je vais livrer le royaume, 6 millions d'hommes, comme vous dites, à l'Espagne, ou à monsieur, ou au Vendôme, chacun sa part. Ils ne pensent qu'à posséder, pas à gouverner. Chacun va vouloir arracher quelque chose. Je suis toute seule. Et vous, ma fille, que pensez-vous du cardinal ? Je ne sais pas. L'autre était un bourreau. Mais lui m'a l'air sans haine, aussi solitaire que moi. Gai. Sans cortège de jupons et sans escorte d'épée. Prions, ma fille, et tout s'éclairera sans que vous y songiez. Jusqu'aux funérailles. Que penses-tu du cardinal, ma chère ? Lequel, madame ? Le seul, voyons, Marthe. Le vivant. Et il la porte. Il n'est là que pour médire, ce foutu gueux. Sire, depuis ce matin, par ordre de la reine, je suis votre principal ministre. Et monsieur Letellier, votre secrétaire d'état à la guerre. Et nous vous apportons la nouvelle de la plus grande victoire qui a remporté vos armées. Le duc d'Enghien a écrasé les Espagnols à Rocroi, dans les Ardennes. Il envoie des fagots de drapeaux à votre majesté. Tu m'emmènes pas à la guerre ? Oui. Je vais vous donner de beaux soldats de bois et de vrais petits canons. Qui tire ? Oui. Et plus tard, je vous apporterai la paix. Drapeau ou pas, mon petit sire va s'enrhumer. Allez, venez vite, qu'on vous habille en vrai roi de victoire.
Tant de lauriers après 5 jours de règne, quel présage! Mais celui qui les a coupés à la main grande, je me méfie de l'orgueil de Condé, particulièrement du duc d'Enghien. À propos, que Renaudot dise bien dans sa gazette que le feu roi avait prédit et ordonné cette victoire. C'est un présage aussi pour vous, monseigneur. Puisque la force vient à point, montrons-la. Prenons le risque de laisser venir les derniers grands fauves. Je vais faire ce plaisir à la reine. Je vais faire chercher cette jolie garce de Chevreuse par un beau jeune homme. Avec beaucoup d'argent. C'est bien simple. Il suffisait que je prenne un mari pour qu'il meure et un amant pour que l'homme rouge le décapite. Cet amant-là était par bonheur un archevêque. Comme disait Brantôme du vieux Bassompierre, un vrai poireau, blanc de la tête et vert de la queue. J'avais tout ce que je voulais, rien qu'en lui laissant toucher ma cuisse sous la table. Si je vous raconte... Non, ma chère, vous ne me scandaliseriez plus. Allons bon. Voilà que la déraison m'est venue avec l'exil de vous dire ces bagatelles, maintenant que vous êtes reine. Autrefois, je vous ai rire. Vous vous souvenez des courses en sac, ici, dans la cour? Mon Dieu! Et le roi qui me haïssait de vous aimer? Il y a un siècle de cela, Marie. Ben, quand je vous regarde... Vous avez toujours des seins admirables. J'ai lancé Buckingham à l'assaut de celui-ci. Montmorency à l'assaut de celui-là. La citadelle serait-elle à nouveau assiégée? Vous êtes folle. Madame, méfiez-vous de ce cardinal. Il a la robe rouge comme l'autre, le cul pourri. Mais que croyez-vous donc? C'est lui qui vous a fait revenir. Je crois que vous n'êtes plus de notre parti. Cet Italien a des yeux admirables. Mais son parfum, et miel et vinaigre, c'est un enragé de la guerre. Comme si le roi était moins le roi sans l'Alsace et sans les Flandres. Il écarte les grands de vous, de tout. Il vous ensorcelle. Au point qu'on fait partout les mauvais discours que vous couchez ensemble. Vous vous trompez. Chassez-le. Faites revenir le vieux Châteauneuf. Vous vous trompez. Le cardinal est plus français que beaucoup de princes. Lui, il m'a donné une passion. Celle de faire de mon fils un roi. Oui, il m'ensorcelle. Par son esprit. Et sa clairvoyance. Mais sans péché. Vous entendez? Marie, pourquoi est-ce si difficile? Madame la Duchesse, Madame la Duchesse de Longueville. Oui? Les comédiens seront bientôt prêts, madame. À vos ordres. Je vous précise. Croyez-vous qu'elle viendra? Oui, à cause de Corneille. Ah, c'est merveilleux, je crois que tous ses pires amis sont là. Vous, moi, votre frère Conti. Le coadjuteur de Gondi, Madame de Montbazon, Beaufort. Pour ma chère, est-ce que vous croyez qu'il la baise? Je ne sais pas. En tout cas, il ne la quitte pas comme la pointe d'aimant suit le nord. Ils ne sont jamais seuls. Jamais. Quoi qu'en carrosse. Voici le renard. Je vous laisse mener la chasse seule. Au lieu que te vous attendais, monsieur le cardinal. Que de soucis flottants, que de confus nuages présentent à mes yeux d'inconstantes images. Douce tranquillité que je me respire. Laissons Paulieu de briser ses idoles. Pièce qui se passe à genoux. À moi de m'agenouiller, s'il vous plaît, devant vous. Parlons franc. Franc. Je dirais qu'une très longue absence... Trop longue. ...n'a pas altéré la beauté de Madame de Chevreuse.
Je m'applaudis d'avoir pu y ajouter un feu plus modeste. Cette main-là est nue? Je viens de persuader Sa Majesté de la vêtir de 50 000 livres. Il paraît que vous me détestez. Alors vous devez savoir que 50 000 livres ne sont pas mon aune. Que voulez-vous? Tout. Tout ce que nous a ôté votre maître, le cardinal Sanglant. Sauf les vies qu'il a prises et que vous ne pouvez pas rendre. Je veux l'amirauté, le gouvernement de la Bretagne, pour la maison de Beaufort. C'est l'amant de la Montbazon. Celui du Havre, pour la Rochefoucauld, c'est l'amant de la Longueville. Pour nous, la paix avec l'Espagne et l'amitié des Habsbourg. Pour la reine, je veux que Châteauneuf devienne ministre à votre place. Tout. C'est le fond du cœur. Alors, je suis au désespoir. Écoutez, nous allons trouver un arrangement. Savez-vous que la reine a rappelé Châteauneuf à Paris sur mon conseil? Je suis comme vous, j'aime jouer. Pas au même jeu, monsieur le cardinal. Les miens percent moins de cœur. Prenez garde, éminence, il risque d'en percer un de trop. Laissez la reine, n'y touchez pas. C'est une déclaration de guerre. Exactement. Je travaillerai tard ce soir. J'allumerai du feu, il fait un peu frais. Monsieur Bluet, il est au cercle de la reine. Monseigneur! Monseigneur! Oui. Avant-hier, j'ai dîné à maison et au retour, j'ai partagé mon carrosse avec monsieur. C'était fortuit. Oui, c'est décidé au dernier moment. Son Altesse Royale vous a sauvé la vie. S'il le savait, il ne s'en remettrait pas. Attention! Je ne souffre pas de vous voir attendre, monsieur le duc. Je vous souhaite autant de chance sous les armes. Vous songez à partir en Flandre, je crois. Si la maison de Condé me laisse quelques victoires à prendre, madame, pour vous la donner. Je prierai pour que tout se passe pour vous comme je le souhaite. Marie. Oh, Marie. Nous avons vieilli. Que Dieu nous bénisse. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Au nom du roi, monsieur le duc, j'ai ordre de vous conduire à Vincennes. Mort ou vif, monsieur le duc. Vos amis sont au milieu des gardes. Tout soit discret, Guido, je vous prie. Hélas, j'ai ordre que tout Paris sache votre sort. Deux compagnies vous attendent avec tambour et étendard.
Madame la duchesse de Chevreuse, Sa Majesté souhaite que vous vous retiriez dans vos terres d'Angoulême sans la revoir. Vous allez sans doute demander le jugement de ce malheureux garçon. Qui voulait me tuer et prendre barre sur vous avec la voracité de tous les importants de son espèce. Rassurez-vous, le ciel me fait tel que je ne sais pas bien haïr. Je me sens au-dessus de la vengeance, peut-être parce que je me sens au-delà de l'affront. Je sais. Vous haïssez qu'on tue par bonheur. Parce que j'aime la vie. Et pour la même raison, je hais qu'on me tue, imaginez-vous. Tous ces exils qui recommencent. Montbazon et Vendôme, Anne de Gonzague, Marie de Hautefort. Et Châteauneuf. Et Madame de Chevreuse. Marie, mon Dieu, vous exigez beaucoup. Il le faut. Son amitié jalouse trop fortement quiconque vous aime. Elle n'avait pas motif de vous jalouser. Pas motif. Que ma reine se calme. Votre autorité a provoqué chez tous la stupeur. Chez les grands, une admiration pleine de crainte. Et chez moi. Chez vous. Il est encore temps que je m'éloigne. En el fondo de Italia, seguiré pensando in mi ruina. Si vous le souhaitiez, je disparaîtrais dans l'ombre, à l'instant même. Non. Non, ne partez pas. Sans ça, je ne sais pas ce qui arriverait. Dios mio. Tout est trop lourd. Ces murs de citadelle, dans cette glace. Je veux voir des jardins, du ciel. Partez du Louvre. Quittez ces tours, ces fossés. Logez au palais cardinal où il y a des arbres. On finit mon hôtel juste à côté. On peut percer une porte rue des petits champs entre les deux jardins. Je serai votre plus proche voisin. Soyez mon plus proche ami. À jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec cette liste. Ah. Ah, voilà. Monsieur de Lyon, monsieur de Narbonne, monsieur de Tours, monsieur de Toulouse. Votre éminence fait le compte des bourreaux? Non, des évêques. J'ai besoin d'eux contre ce pape qui m'excède avec sa cour espagnole. Et dire qu'il s'appelle innocent. Bientôt, monseigneur. Tôt, j'ai déjà entendu la messe. Ah, mon bouillon. Naudé veut que j'achète la grande Bible de Gutenberg pour ma bibliothèque. Que peut-on vendre? Nous avons des tapisseries, du sucre du Portugal, un grand surplus d'ambre. Vendez, je veux cette Bible. Voyez Hervard pour une lettre de crédit. Bien, monsieur. Le bateau? Je marchande. C'est une flûte qui s'appelle par un jeu du sort la Cardinale. Elle est armée à Brest pour la course. Elle nous assurerait de bonnes prises, mais je compte gagner 3 ou 4 000 livres sur le prix. Achetez. Voyez donc à La Rochelle s'il y a des galères armées. La mer rapporte beaucoup. Quel temps fait-il? Il neige, monseigneur. Il neige toujours. J'aime la neige. Elle me rajeunit.
Combien de lieues ai-je pu faire dans la neige entre Rome, Milan, Mantoue, par tous les chemins de brigands? J'ai dépouillé le courrier de Master. Où? Alors? Eh bien, Monsieur Servien pense que les Pays-Bas traitent dans notre dos. La Suède veut de plus en plus de terres. Les pourparlers les piétinent. Il y a un rapport de Monsieur de Lyon qui estime que nos alliés se dérobent. Oui, seuls nos adversaires sont sûrs, comme d'ordinaire. Ce matin, je regardais cette carte. Vous savez ce que je me disais, Jeur. La victoire de Nordlingen n'a servi à rien. Et pas d'argent. Et de l'autre côté, il faut refaire la flotte de Méditerranée à cause de ce foutu pape. C'est un gouffre d'or. Le pape me coûte la guerre, me coûte les grands, me coûte. Et le Parlement rechigne à enregistrer de nouveaux impôts. Je suis trop pauvre. Nous, monseigneur? Oh non, pas nous, non. À propos, vous avez le brevet de la Compagnie du Nord? Pour la pêche à la baleine, oui, monseigneur. Ah. Voici, monseigneur. C'est l'État qui est pauvre. Et le pays est malheureux, je le sais. Encore un petit moment, jusqu'à ce que je gagne la guerre. Que le Parlement se taise juste un petit moment. Tu vois, Pharaon, j'ai ce royaume à tenir chaque matin comme je te tiens. Mais toi, tu es gras. Toi, tu ronronnes. Leur zède et leur retaille. C'est tout ce que l'Italien invente, le toisé, le tarif. La guerre est chère, l'ami. Faut savoir ce qu'on veut. Ouais, si on n'avait pas le Parlement, camarade, nous on irait tout nus. C'est des pommes d'hiver, ça? Elles l'ont payé, ce fameux tarif. Celles-là, elles l'ont payé, le tarif. Oh. Voilà une petite fillette qui est entrée à Parisot du foin avec des petites sœurs. Et qui a pas payé la taxe? Non. Hein, ma fillette? Elle connaît pas Mazarin. Notre France est ruinée. Faut de ce cardinal abréger les années, il est l'auteur du mal. Faut sonner le tocsin zin zin pour pendre Mazarin. Faites entrer. Ah, monsieur le coadjuteur. Je rends grâce à votre éminence de m'accueillir dans son privé. Mais c'est Paris qui entre ici tout entier avec vous, monsieur de Gondi. Hélas, monsieur le cardinal, en ce cas, je crains de traîner une mauvaise odeur. C'est la poudre qui se renifle ces derniers jours à Paris. Mais c'est parce que le vent de Flandre la porte. Je vous confie que nous sommes à la veille de grandes victoires. Mais savez-vous de qui l'Espagne attend son meilleur secours? Savez-vous quels sont nos plus sûrs ennemis? Les Français. Hélas, monsieur le cardinal, c'est qu'il pense ce que disait à la reine l'avocat général Talon. L'espérance de la paix et l'honneur des batailles gagnées ne peuvent nourrir ceux qui ne comptent pas les lauriers parmi les fruits ordinaires de la terre. Hélas, je sais traduire cette éloquence. Du pain d'abord, des canons plus tard, et surtout point de Mazarin. Hélas, monsieur le cardinal, il est vrai que le vent de Flandre risque de devenir vent de fronde. Pour peu que quelque génie de la sédition souffle avec lui, hélas, je le sais bien. Hélas. Ah, vous regardez ma collection? À vrai dire, non, je... Si, si, je vous en prie. Ce sont toutes les dernières mazarinades. Vous connaissiez celle-ci? Ce foutu Sicilien ne vaut rien, il est bougre comme un chien. Elle en a sur ma parole dans le cul. Ne continuons pas, c'est injurieux pour la reine. Et celle-là, à chaque coup qu'il lui donne, il fait branler la couronne. C'est impayable. Ou plutôt non. Savez-vous ce que je fais? Je les fais saisir un peu partout par la prévôté, je les revends au libraire. D'ailleurs, le cours monte. 1000 écus le lot. Ça vous intéresse? Parlons plus sérieusement. On me dit que le Parlement... Jeur, le dossier des impôts, celui de la Paulette, s'il vous plaît. Supprimer le Parlement, voilà ce qu'il faudrait.
feu, monsieur de Richelieu disait du Parlement, n'éveillez pas cette grosse bête. Ne comptez pas que j'aille la caresser. Et ce Broussel, savez-vous ce qu'il dit? Que le meilleur moyen de servir le roi est parfois de lui désobéir. Oh, lui et ses deux autres enragés, je les pendrai. Est-ce une profanation? Le Parlement est comme toute réunion d'hommes. On y trouve des hommes généreux qui compatissent à la souffrance des pauvres. C'est le président Mollet, on ne l'achète pas. Il y a les coquins riches, comme Talon, qui ne songent qu'à parvenir et qu'on pourrait adoucir, peut-être. Enfin, il y a les pires, les imbéciles. C'est Broussel. Et tous ont en commun qu'ils ne supportent pas qu'on chatouille leurs écus, ce que vous venez de faire avec la Paulette. J'ai besoin de temps presque davantage que d'argent. Les progrès que nous faisons à Münster vers la paix sont rapides, mais fragiles. Avant de nous attaquer au Parlement, il nous faut une grande victoire ou un grand traité. Je suis prêt d'obtenir la cession d'énormes territoires. Mais que ne dois-je pas céder ici? Votre patience n'est pas une vertu royale. Je sais bien, c'est une vertu cardinale. Feignez d'accepter cette charte jusqu'au moment où nous pourrons rabaisser tous ces parleurs. Münster est loin. À votre place, l'hôtel du surintendant des finances incendié, son fils à moitié tué, le chancelier Séguier poursuivi dans la rue, du peuple qui ouvre les prisons. Tout ceci sans la révolte. Je laisserai Paris respirer. Si le Parlement ne respire pas, qu'il étouffe. Laissez-moi faire. Il faut jeter des roses à la tête de ces messieurs. Madame? Oui. La victoire, madame. Sire, le prince de Condé vient de gagner une grande bataille à Lens contre l'armée espagnole. 500 officiers prisonniers, 120 drapeaux pris. Tout un train d'armée en butin. Des canons comme ceux que je vous ai donnés, encore plus gros. Et des ponts de bateaux. Comme sur la Seine? Plus grand, pour faire passer les chevaux. La chance, enfin. La providence. Nous reprenons force. Alors, maman, ces messieurs du Parlement seront bien fâchés? Plus encore que vous ne songez, Louis. Il est temps maintenant d'avoir d'autres vertus que la patience. Dans un instant, avec Robert Desimon et Joël Cornette, nous allons analyser les débuts du règne, si nous m'exprimons ainsi, du cardinal Mazarin. Notre histoire, l'évolution de la société en Europe, la découverte des patrimoines.
parlement, n'éveillez pas cette grosse bête. Ne comptez pas que j'aille la caresser. Et ce Broussel, savez-vous ce qu'il dit? Que le meilleur moyen de servir le roi est parfois de lui désobéir. Oh, lui et ses deux autres enragés, je les pendrai. Est-ce une preuve nation? Le parlement est comme toute réunion d'hommes. On y trouve des hommes généreux qui compatissent à la souffrance des pauvres. C'est le président Mollet, on ne l'achète pas. Il y a les coquins riches, comme Talon, qui ne songent qu'à parvenir et qu'on pourrait adoucir, peut-être. Enfin, il y a les pires, les imbéciles. C'est Broussel. Et tous ont en commun qu'ils ne supportent pas qu'on chatouille leurs écus, ce que vous venez de faire avec la Paulette. J'ai besoin de temps presque davantage que d'argent. Les progrès que nous faisons à Münster vers la paix sont rapides, mais fragiles. Avant de nous attaquer au Parlement, il nous faut une grande victoire ou un grand traité. Je suis prêt d'obtenir la cession d'énormes territoires. Mais que ne dois-je pas céder ici? Votre patience n'est pas une vertu royale. Je sais bien, c'est une vertu cardinale. Madame? Oui. La victoire, madame. Sire, le prince de Condé vient de gagner une grande bataille à Lens contre l'armée espagnole. 500 officiers prisonniers, 120 drapeaux pris. Tout un train d'armée en butin. Des canons comme ceux que je vous ai donnés, encore plus gros, et des ponts de bateaux. Comme sur la Seine? Plus grand, pour faire passer les chevaux. La chance, enfin. La providence. Nous reprenons force. Alors, maman, ces messieurs du Parlement seront bien fâchés? Plus encore que vous ne songez, Louis. Il est temps maintenant d'avoir d'autres vertus que la patience. Aussi sincère que vient de l'être monsieur le coadjuteur. Ressaisissez-vous. Monsieur de Gondi craint pour le roi, il craint aussi pour sa ville. Sans doute ne pourrait-on être trop ferme sans risquer de provoquer ce qu'il faut bien appeler de grandes révolutions. Ça s'appelle céder. Que votre majesté excuse ma franchise de soldats. Le roi n'a ni troupes ni cavaliers, à part quelques Suisses et les chevaux légers. Nous pouvons nous faire tuer comme tout à l'heure au pont Neuf, mais nous ne pouvons pas arrêter Paris. Peut-être y a-t-il eu un peu trop de hâte à tout ceci. Ne faisons pas de ce Broussel un martyr. Le cardinal a raison, ma sœur. C'est la charte qu'il aurait fallu pouvoir mettre en prison. Gagnons du temps jusqu'à demain. Mais comment arrêter l'émeute? Qu'on dise au peuple, je ne sais pas moi, que la reine lui rendra son Broussel. Pourvu qu'il ne continue pas à hurler en foule. Que chacun se calme, rentre chez lui.
Et Broussel reviendra. Et qui va porter cette belle parole à ces furieux? Un seul homme au monde en est capable, madame. Que votre majesté me donne au moins un ordre de sa main. Il n'y a que vous. Rendez le repos à l'État. Une preuve écrite pour m'en faire accroire par l'émeute. Madame, je... Allons nous battre, monsieur le coadjuteur. Ils veulent plus que des promesses. Madame, demain il faudra choisir. Tirer ou céder. Allez vous reposer, monsieur. Vous avez bien travaillé, vraiment. Mêlez-vous donc maintenant de prier Dieu. Laissez-moi vous dire de... Inutile, monsieur le cardinal. Je sais aussi me mêler du reste. Madame, ces messieurs du Parlement. Encore? Ils étaient là il y a 2 heures. Nous avons traversé Paris sous les menaces. Et le peuple nous a ramenés ici à la pointe des piques, parce que nous étions sans Broussel. Je songeais qu'on vous aimait davantage, messieurs. C'est pour vous que le peuple a pris feu. Ce matin, l'émeute a gagné toute la ville. Je ne tiens plus la rue. La milice que vous aviez appelée a coupé avec nos troupes. Et s'est embarricadée elle aussi, madame. Il y a plus de 1200 barricades. Sans le courage du premier président Mollet... Madame, je vous supplie de songer au salut du palais. Peut-être à la vie du roi. Ne balancez pas cela avec la punition de quelques hommes coupables d'avoir été trop entêtés du bien public. Le bien public et le bien du roi se confondent. Eh bien, messieurs, voyez donc ce qu'il est à propos de faire. Il n'est pas d'usage de délibérer ailleurs qu'à notre siège, mais cette fois... Aujourd'hui, je propose de rendre arrêt. Par lequel il est ordonné que la reine sera remerciée de la liberté accordée aux prisonniers. Nul ne demande la parole. Il est ainsi délibéré et jugé. Où est le greffier? Ici. Nous écrivons ici. Écrivez les expéditions. Et des lettres de cachet. Et des copies. Je veux des copies pour les barricades. Eh bien. Où est Broussel? Sur la route de Sedan. Vous l'aurez ce soir. Il courra plus de danger dans la joie de la foule qu'il n'en eût couru en prison. Moins que si je l'eusse tenu entre mes mains. Seigneur, il y a une émeute à la porte Saint-Honoré. Nous allons prendre par le cours la reine.
Je n'avais pas vu la menace si grande. Elle existe encore. S'assurer du roi, vous cloîtrer au Val-de-Grâce, me tuer et offrir la régence à l'oncle du roi, celui qui vous appelle si bien ma sœur, notre siffloteur de monsieur qui embrasserait le Parlement. Bondy serait ministre avec mon chapeau. À Rueil, nous serons du moins libres de nos résolutions. Tant que nous n'aurons pas une armée. Tout dépendra donc de Condé. Je lui écris comme vous vouliez que son repos à la ville me serait plus utile que son travail à la campagne. J'avoue que depuis que son père est mort, monsieur le prince m'inquiète. Vainqueur de Rocroi et de Lens, grand maître de France, gouverneur de Berry, de Bourgogne, de Champagne, c'est un peu trop de puissance. Mais c'est vrai, tout dépendra de lui. Ce bras tout seul. L'autre est resté au siège de Thionville, monseigneur. Monsieur de Lorbeau, venez donc me voir à Chantilly, hein, pour parler de celui qui reste. Oh, monsieur le prince, quelle joie! Leur Majesté vous attend. Voilà un accueil qui me touche, éminence. Et qui m'engage à vous reprocher tout de suite quelques petites mortifications que vous m'avez faites. Mortifications ? À la tête de ma cavalerie, vous avez mis Beaujeu, alors que je l'avais donné à Noirmoutier. Au gouvernement d'Ypres, vous avez mis Paluot, alors que je l'avais donné à Châtillon, et vous venez de me refuser le brevet de maréchal pour Bussy. Que faire pour obtenir quelques grâces pour ses amis ? Perdre des batailles ? J'accepte ces reproches. Savez-vous que vous l'auriez fondé jaloux ? Je refuse à vos amis pour que monsieur puisse entendre parfois au conseil que la fortune vous résiste un peu. Dites-moi, cette sacrée fortune, elle vous a bien résisté à Paris, d'après vos lettres. Pour la reine et le roi, j'ai craint le pire. Et pour vous, qu'on vous branche à la lanterne. J'ai trop songé depuis quelques années aux affaires de l'étranger, pas assez à celles de l'intérieur. Du moins, vos victoires n'auront pas été vaines. En Westphalie, à Münster, nous sommes sur le point de conclure les négociations. Nous aurons Philippsbourg. Et Neubrisach. Et toute l'Alsace entre Vosges et Rhin. Et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun. Le Habsbourg d'Autriche n'existera plus pour 100 ans dans nos possessions d'Allemagne. Et Pignerol, d'où je peux le couper du Habsbourg d'Espagne. Sincèrement, monsieur le cardinal, vous aussi, vous gagnez des batailles. Venant de vous, voilà qui me paie de bien des peines. Mon cousin, j'ai tant de merci à vous dire et tant de joie à vous voir. J'en oublie le reproche. Vous avez tardé, monsieur le prince. Que votre majesté me pardonne, mais mon seul soin en Flandre a été de la servir chaque jour. Nous avons été à cause du Parlement dans une effroyable nécessité. Vous avez laissé prendre au bonnet carré une bien grande allure. Comment faire la guerre sans un coup, monsieur le prince? Sa majesté a payé l'armée du Rhin de sa cassette. J'ai vendu ma vaisselle et mes tapisseries pour envoyer 80 000 pistoles à Turenne et vous-même. Comment agir quand le Parlement joue à faire le roi? Nous étions en leurs mains. Ces chafourés vont trop vite avec leur charte. Ils nous poussent même à les étriper. Essayez donc d'étriper Bruxelles à Paris, mon cousin. Ils sont allés vous voir, je crois. Je les ai un peu traités à coups d'étrivière. Je leur ai dit que je ne souffrirais pas plus que Sa Majesté, ni leur désobéissance, ni leur songe creux. J'espère que la bride est assez courte pour le moment. Monseigneur, le Parlement est une force bien plus diverse qu'une armée, bien plus sourde et pesante. Croyez-moi, on ne la bride pas. Au point où en sont les choses, il faut composer avec le Parlement ou le briser. Ah. Nous ne les étriperons pas demain, je vous l'accorde. Il faut en venir le plus tard possible aux extrémités. Que votre majesté les mène par quelques biais, dans la douceur, composer, traîner doucement. Comme vous savez faire. Venez, mon cousin, le roi vous attend.
Ils ne songent qu'à vous entendre parler de la guerre. Monsieur le prince, ne ferez-vous pas revenir l'armée d'Alsace sur Paris? Pour villes et villages, vaccins il faut donner, romper tous les partages qu'il voulait ordonner. Pour sonner le tocsin d'un sabre Mazarin. Ce méchant plein d'outrage a ruiné tant d'époux, dans des touchants de village, vous donnant des impôts. Pour sonner le tocsin d'un j'avais trop espéré de monsieur le prince. Un jour, il traite le Parlement comme de l'infanterie espagnole, le lendemain, il est tout sourire, toute indécision. Impossible de percer le jeu de ce solitaire, impossible de savoir ce qu'il va faire. Vous savez bien que ce n'est pas un politique, c'est un emporté. Son armée n'a toujours pas bougé. Ce n'est pas la peine de partir pour Rueil, pour revenir à Paris battu, la charte signée par le roi. Dans 3 ans, le roi aura 13 ans, il sera majeur, nous déchirerons ce papier. Je n'irai pas ce soir au Parlement voir enregistrer cette charte. Dire que nous avons cédé sur tout, même sur les lettres de cachet. J'ai prié la moitié de la nuit. La fortune a des tours étranges. Aujourd'hui même, des années de guerre finissent. C'est aujourd'hui? Oui, ce soir, 24 octobre, les traités seront signés en Westphalie. Oui, madame. Le roi a la sûreté aux frontières. Une brassée de terre et de ville. Dieu soit béni pour cette grâce. Le royaume entier devrait être un tédéum. Mais personne ici n'y prend garde. Ma reine, ce soir, la France sera le premier pays d'Europe. Mais à Paris, nous sommes battus, c'est vrai. Et Condé qui ne veut rien comprendre. Mon petit roi de France n'est plus qu'un beau roi de cartes dans la main de ce Parlement. Ma reine, je vous avais promis la paix. Je vous en apporte le premier enjeu. Je vous promets maintenant de rassembler tout ce qui s'échappe dans ce royaume. Ma reine, je vous le redonnerai. Monseigneur. Monsieur le coadjuteur, souffrez l'absence de cérémonie puisque vous êtes pressé. Monseigneur, j'avais hâte. Alors, vous avez fait la guerre des pots de chambre? Vous vous êtes amusé contre le roi dans Paris? Pas contre le roi, monseigneur, contre le Mazarin. Mon cher, ne pensez pas trouver non plus chez moi beaucoup de chaleur pour la Sicile. Mais je voudrais qu'on sache, le Mazarin, le Parlement... Et vous, avec, que je suis revenu ici pour soigner à peu près l'unique chose que j'ai gagnée à la guerre, des rhumatismes. Monseigneur, écoutez-moi, la reine est envoûtée par ce diable. Exorcisez-la. Et il obtient de tous ces embrouillements une fortune insensée comme un sultan des Indes. Volez-le. Il a tiré le sang du royaume avec... Je voulais dire, monseigneur, qu'il a tiré le sang du royaume avec ses impôts. Ses impôts? Et avec quoi voulez-vous que je fasse la guerre, moi, si je n'ai pas d'impôts? Moi, quand mes soldats ne sont pas payés, ils ne meurent pas. Rien à faire.
Monseigneur, il s'est formé un parti à côté de la fronde du Parlement que l'on appelle la fronde des grands. Le parti de ceux qui soutiennent vraiment la paix, de ceux qui veulent délivrer la reine. Je sais, qui veulent reconquérir toutes les places, regagner tous les bénéfices, faire régent ce merle déguisé en aigle qui s'appelle monsieur, et vous faire principal ministre. Ou qui sait, plus. Mais je sais tout cela parfaitement. On écoute dans le silence des campagnes. Peut-être n'avez-vous pas entendu, monseigneur, le bruit que feraient tous les fruits tombant de cet arbre si votre main le secouait. Tous ces gouvernements, toutes ces provinces. Monsieur, j'ai assez de biens et d'établissements pour me conserver au roi par mes services et ma fidélité. Ma perruque. Je ne serai pas maître de cette fronde-là, parce qu'elle ne peut se faire contre le roi, Gondi. Je suis prince du sang. Partie intégrante de la royauté. Grand maître de France, général en chef. Je m'appelle Louis de Bourbon-Condé. Je suis un homme rasé. Et je ne veux pas ébranler la couronne. Mais votre frère et votre sœur... Madame de Longueville dit elle-même qu'elle n'aime pas les jeux innocents. Ma sœur fait ce qu'elle veut. Je vous souhaite le bonjour. Gondi! Monseigneur? Veuillez dire à ma sœur que l'armée d'Alsace fait route sur Paris. Maman, si j'ai la fève, je serai un roi comme Louis? Oui, pour toute la soirée. Et si c'est moi, je serai deux fois roi? Mais on ne choisit pas. C'est Madame de Brienne. Vous souvenez-vous au moins du nom des mages? Gaspard et Melchior. Melchior. Non, je l'ai déjà dit. Monsieur le maréchal, savez-vous l'autre? Ma foi, je crois bien que c'est Balthazar. Saviez-vous que le bruit courait dans Paris, que la reine voulait partir cette nuit? Voilà donc pourquoi nous avons tant de grands visiteurs ce soir. Ils la surveillent. Tous les frondeurs ameutés, ma bonne. La mystérieuse Marie de Gonzague, la belle duchesse de Longueville, qui a perdu pour une fois l'amant du jour, monsieur de la Rochefoucauld. Mais gardez son frère, le prince de Conti. On dit qu'il est fou d'elle. Comme l'autre frère, Condé, est fou des batailles. Yeah. Ma chère, tous sont en alarme ce soir à cause de ces rumeurs de fuite. Son Altesse royale, monsieur, duc d'Orléans. Regardez s'il est triste. Du temps du roi Louis XIII, il ne se consolait pas d'être le frère. Maintenant, il ne se console pas d'être l'oncle. Et il n'est même pas roi de la guerre, puisque Condé prend tout. Et même pas le roi des frondeurs, parce que le courage lui manque. Oh, comment ne pas être triste avec un rejeton comme cette grande fagotée? Vous avez vu, mademoiselle? Ma chère, j'ai mieux fermé les yeux. Tiens, voilà celui qui manquait. Notre coadjuteur comploteur, monsieur de Gondi, et sa tendre mademoiselle de Chevreuse. Elle est encore plus belle que sa mère. Monsieur le prince est aussi têtu qu'un pape. Il refuse? Pire. Il a rappelé son armée sur Paris. Et il m'a dit ça comme une menace. Je connais mon frère. Nous secouons un peu trop fort la régence, il nous fera la guerre. Mais le roi est là. Nous tenons au nid le plus bel oiseau. Tant que nous l'avons bien au chaud dans sa cage, nous pourrons fonder tranquille. Allez donc tirer les rois avec mademoiselle de Chevreuse. Tout cela est le calme même. C'est vous, maman! Vive la reine! Vive la reine! Vive la reine! Ma reine boit! Vive la reine! Vive la reine! Vive la reine!
Sire. Sire. Réveillez-vous. Venez. Il faut vous habiller. De tout mon cœur. Il est 4 heures du matin et vous êtes aussi vive, belle, dans votre salon. Parce que ça m'amuse. C'est comme une conspiration. Pas vous, vous qui êtes si gaie d'ordinaire. C'est que tout recommence, hélas. Écoutez, si on dit vrai que bien des gens, et mon beau-frère avant quiconque, veulent soulever le peuple et prendre ma régence, qu'ils se décident. À Paris, je me sens dans une souricière. La souris s'en va au champ. Qui même me suivent à Saint-Germain, j'y compterai mes amis. Tu veux prévenir toute la cour d'avoir à vous rejoindre, monsieur tout le premier. Et qu'a-t-il dit? Son Altesse royale a sifflé qu'il arrivait sur le champ. À 4 heures du matin? Quand je songe à notre mademoiselle mettant ses mouches à la chandelle, Dieu qu'elle est laide. Monsieur mon principal ministre, vous m'avez expliqué 100 fois que puisque le roi n'a ni police ni troupes, il n'est en sécurité que hors de Paris. Nous y voici. Que hors de Paris, le roi pourrait être soutenu par une armée. Elle arrive. Mais c'est ce qui me fait peur. Il y a 6 mois, nous avons joué des grands contre le Parlement et les meutes. Et nous avons gagné le temps et peut-être la vie. Si maintenant les grands et le Parlement fondent ensemble, il nous faudra jouer de Monsieur le Prince. Et Monsieur le Prince, c'est la guerre. Savez-vous quel était son plan? Marcher de Vincennes à l'hôtel de ville en tuant tous les bourgeois. Une turquerie. J'ai dû me battre pour le convaincre de seulement assiéger la ville s'il le fallait. Les gens qu'on affame sont au moins vivants quand ils se rendent. Vous m'effrayez. Sibérie. Saint-Germain est vide, les appartements ne sont pas tendus. Je n'ai pu faire porter que quelques lits de cuir et les feux ne sont pas allumés. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a du bois. Vous avez les diamants? Oui. Tous ceux de la couronne et les miens. Et les miens.
votre seule fortune. Pas tout à fait. Paille ou pas paille, court ou pas court, il ne rend pas plus chaud que moi en se couchant là-dessus. Il prend compte de ta bourgeoise, Hector. Il se serrant pour dormir tout grand qu'ils sont. Les gens de mademoiselle sont les seuls à sortir de Paris. Mes trois chariots de meubles et de linge ont été pillés vers Saint-Antoine. Et les cochers ramenés de force au palais royal. Ce ne sont pas les chariots du roi qu'ils ont attaqués. C'est moi. La ville entière me couvre de boue. Paris me hait. Non. C'est le Parlement qui vous hait. Quels sont les termes déjà? De son arrêt, je suis perturbateur du repos public. Et tout sujet de votre majesté a comme premier devoir de m'assassiner. Mais ce que je redoutais est arrivé. Le Parlement n'est plus seul. J'ai ici une petite liste. Voilà quelques brebis paisibles au hasard du troupeau. Charles de Lorraine. Humble. Se nourrit de sang, je l'ai beaucoup aidé. Il veut Montreuil. Monsieur de Sévigné. Monsieur de La Rochefoucauld. Monsieur le duc de Bouillon. Reconnaissant. Tu par plaisir. J'ai sauvé sa tête dans l'affaire Saint-Marc. Il veut Sedan. Le maréchal de l'hôpital. Le maréchal de Vitry. Je suis épouvantée. Le duc de Longueville. Beau-frère de Monsieur le Prince. Il veut Pont de l'Arche et la Normandie. Beaufort. Duc et Chartier. A tenté deux fois de me tuer, je l'ai amnistié après son évasion. Celui-là veut seulement plaire à quelques putains de ma cour, je pense. Armand de Bourbon-Conti. Conti ? Et toutes ces fortes âmes ont juré sur les saints évangiles d'aider à exécuter l'arrêt du Parlement, c'est-à-dire m'exécuter. Évidemment, c'est le coadjuteur qui tenait les évangiles, pieux, plein de zèle, soufflant sur ses désirs comme sur des flammes folles. Il veut ma place. C'est donc la guerre. Monsieur le prince est à Melun et ses avant-gardes touchent Corbeil. Mais l'enjeu n'est plus la charte que le Parlement nous a arrachée. Cette fois, c'est moi. Il suffirait que je parte. Tout cesserait. Il suffirait peut-être que vous me chassiez. D'où? De mon amitié? Et qu'est-ce que je ferais sans vous? Combien en avez-vous branché? À peu près 300. Nous n'avons plus de cordes. C'était ce qui reste dans la boue, tout nu, avec des écriteaux. Encore là-bas. Qu'est-ce qui a pu se sauver des troupes de monsieur le coadjuteur? Les débris de monsieur de Beaufort. Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'on les égorge. Allez! Allez!
Mon frère, vous seul pouvez vaincre. Condé est déjà là. Saint-Germain, donnez-nous vite des nouvelles de Saint-Germain. Eh bien, mesdames, il fait un froid polaire. On y mange mal, on y dort à peine, et malgré cela, la reine est gaie. J'en étais sûre. Elle s'amuse à son jeu, comme nous au nôtre. Le Mazarin ne ferme même pas. Il embrouille ses manigances autour de mon futur chapeau de cardinal. Et M. Badi, en confidence, que ses souhaits et son cœur sont ici, avec nous. Ses souhaits et son cœur? Je trouve le bagage un peu mince. Monseigneur, ça va suer, saigner, crever. Ça sent la tripe. Faites-moi la grâce d'accepter mon épée. Avec joie, Beaufort, avec joie. Mais où exactement, mon frère? Monsieur le prince est un peu partout, monseigneur. Ses Allemands et ses Polonais tiennent Corbeil, Meudon, Saint-Cloud, Lagny. La ceinture se serre. Il n'a que 8000 hommes, avec Navaille, Duplessis, Pralin et Châtillon. Sacré bougre! Nous en avons déjà autant que le coadjuteur vient de recruter sur ses deniers. Le Parlement va lever des troupes, et il y aura bien 100 000 bourgeois dans cette chiotterie de Paris, capables de se battre. Et beaucoup plus capables d'avoir faim. Ce sera furieux, héroïque. Nous avons deux autres projets pour obliger notre beau tigre à desserrer ses griffes. Ma bonne, donnez-moi donc une pomme de ce panier. Voici Paris, nous dedans. Voici l'armée de Monsieur le Prince. Ici, l'armée espagnole de l'infant Don Juan. Espagne. Voilà une affaire un peu rude. C'est vraiment l'ennemi. Vous le voulez, ma sœur? Je veux plus. Décider Monsieur de Turenne à marcher sur le prince avec son armée à lui. Turenne? Sur Monsieur le prince? Mais pourquoi le ferait-il? Il est au roi. Parce qu'il m'aime, monsieur, tout simplement. Altesse, Monsieur de Châtillon vient de recevoir un coup de carabine au milieu de la poitrine. Il expire dans l'attente de commandement. Ma femme. Requiescat in pace. Tous les prisonniers à la Seine. La messe sera dite demain pour lui. C'était un brave capitaine. Et je saurai me souvenir de Madame de Châtillon. Mon cousin, on dit que vous avez fait grand-peur aux troupes du coadjuteur. Madame, c'était des chanteurs de chapelle. Le froid les aura enrhumés. On dit aussi que vos Polonais sont plus terribles que l'hiver, qu'ils scient les arbres, pillent, violent, tuent jusqu'aux petits-enfants. Ils les font parfois retirer au four, madame. C'est exact. Que votre majesté me pardonne, je ne les paie pas pour être doux. Si par malheur, cette histoire est vraie, et que Turenne arrive, j'aurai besoin de brutes bien prêtes à tuer. Je fais la guerre, madame. Paris s'en aperçoit aussi. Il a faim. Et l'ordre est aussi rare que le pain. Les bourgeois commencent à être égorgés par les truands qui tiennent la rue. Et votre diable de parlement? Mon parlement, c'est une chose. Quand une ville a mangé ses chiens, puis ses chats, puis ses rats, puis ses écureuils et ses merles en cage, il est temps de la mener à l'obéissance. Nous ne sommes pas non plus ici sur des roses, mais je m'en accommoderai plus longtemps qu'eux. Nous avons reçu des négociateurs secrets du Parlement. Mais les autres enragés, votre sœur à leur tête, croient toujours que Turenne arrivera. Si Turenne vient, madame, tout peut être en question. Monsieur le prince, on dirait que vous avez peur de lui. Bien sûr. Et Turenne a peur de moi. Tous les vrais guerriers se craignent, j'imagine. Vous savez bien qu'on ne vous résiste pas. Mon cousin.
Monsieur le prince. Monsieur le prince, la solitude où nous sommes. Allez donc, monsieur le cardinal, voilà 10 minutes que vous tournez autour du pot. Eh bien, nous sommes à Saint-Germain dans une nécessité étroite, très étroite. Nous avons quitté Paris en catimini, sans trésor de monnaie, naturellement. La reine a engagé presque tous les diamants de la couronne. J'ai vendu des miens pour le nécessaire, les pages sont congédiées, les pensions retardées. Bref, je souhaite un prêt de votre bonté. Gagé sur les revenus de mes abbayes et sur ce qui me reste de diamants. Quel éclat! Pire qu'une lame. Aussi dangereux. J'ai besoin de 800 000 livres. Sans Dieu, c'est que je ne sais pas si j'ai tout ça à Chantilly, moi. Ça fait au moins 2 charrettes d'or. À moins qu'à Saint-Maur. Quand les voulez-vous? Ce soir. Vous les aurez demain matin, seigneur cardinal. Le roi doit mener son train, même à la guerre. Alors je les donnerai à la reine. Pour sa coiffure. Vous avez une lettre pour Falkenstein, une pour Rothenberg, et celle-ci. Alors, comment s'appelle-t-il déjà? Le troisième général allemand de l'armée de Monsieur de Turenne. Oui. Muckenthal. Voici. Écoutez-moi bien, Gère. Les courriers sont les mêmes que d'ordinaire. Mais cette fois, vous devez prendre une garde forte. Vous avez des sommes énormes. La discrétion sera difficile. Détroit, quel est le plus... Achetable? Oui. Falkenstein, corps d'armée de Wagner. Eh bien, commencez par lui. Très secrètement. Que ne donnerais-je pas pour du pain ou une pomme? Mon royaume ou une pomme? C'est à peine incroyable. Mais pourquoi? C'est qu'il ne vous aimait pas assez. Parce que lorsqu'il a dit marche, aucun des 3 corps d'armée n'a remué, pas même Falkenstein. 2, 3. Il y a de la diabolie là-dessous. Je souffle, votre dame. Les soldats obéissent à qui paie et je crois surtout qu'il y a une grosse bourse. Plus rien, mon cher. Ni dragée, ni pain, ni confiture. Faut se nourrir d'amour. Vous traitez comme ce beau parlement qui essaie de faire sa paix. En voilà une autre. Le parlement. Saviez-vous pas? Le Parlement en vie, ni d'être trié par Monsieur le Prince, ni d'être égorgé par la briganderie qui tient la rue. Il négocie à Rueil depuis hier soir. Et il y mange? Ah. C'est une trahison? Oui. Le Mazarin est à table avec lui, aux côtés de la reine et du roi. Et ces messieurs ont sans doute commencé par manger l'arrêt qui assassinait notre renard. Eh bien, il y a un courage que je veux avoir, c'est celui d'admettre que nous sommes battus. Dites que monsieur mon frère a écrasé votre petite armée de tambourinaires. Je le reconnais. Le pire est que nous avons désobéi au roi. Alors on va nous exiler? C'est la moindre peine. L'autre homme rouge ne s'en serait pas contenté, je vous l'assure. Monsieur de Richelieu, tu es sec. À moins que mon frère... Vous ne la connaissez pas?
Vainqueur des Espagnols, Condé était déjà superbe, mais vainqueur de Paris, il va être... Je ne sais. Il a toujours besoin d'un ennemi. Ah, voilà Beaufort. Entrez, mon beau, mon fort. Entrez, monsieur le duc. Madame, ce foutu parlement a manigancé une belle putasserie. Beaufort, vous vous croyez où, Al ? La paix est signée à Rueil. Monsieur le prince entre dans Paris avec des charrois de vivre. Ouais ! On va manger ! On va manger ! Je vais dispenser mes parisiens du carême. Ils ont assez jeûné comme ça. Pour moi, c'est tout vu. S'il lui plaît, j'offre mon épée à monsieur le prince. Picard ? Picard, je crois qu'il reste un peu d'hypocrase. Apportez-le. Nous allons fêter cette défaite-là. Ne disiez-vous pas que monsieur le prince avait toujours besoin d'un ennemi? J'y songeais. Justement. Mais alors ce sera nous? Ma chère, il faut vous faire une jolie tête politique. Mon frère et le Mazarin s'embrassent, mais il y a de grandes embrassades qui préparent de grandes fâcheries. C'est Condé, mon très cher frère, qui sera le maître. Nous allons nous faire consoler de nous être révoltés et brouiller les cartes. Père Vincent, je commence à croire comme le cardinal. Durer, c'est déjà une victoire. Une victoire ? Mais monsieur le prince de Condé vient bien d'en donner une au roi. Surtout nos beaux frondeurs, oui. Sur sa sœur, madame de Longueville, sur son frère, le prince de Conti, sur le Parlement, sur tous les grands qui se sont amusés à la guerre. J'ai plus la force de vivre. Qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu, dites? On va vous donner une chemise et un bouillon. Mais cette victoire-là bat de l'aile. J'entends pas bien ces manœuvres des grands. Je sais seulement le mal qu'ils font. Ah, je sais aussi qu'hier, au bal de l'hôtel de ville, pour les 11 ans de notre maître, Paris a acclamé notre roi. Et les rues ont même fêté le cardinal. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, que Dieu soit loué. Vous m'aviez conseillé le cardinal. Il est mon seul soutien. Ma fille, j'avais aussi dit à votre majesté que la régence ne ferait qu'agrandir votre prison. Je crois bien qu'elle l'a encore resserrée. Cette paix de Rueil est une boiteuse. Je n'ai pas pu déchirer cette charte. Le Parlement rogne toujours sur le pouvoir de mon petit roi. Il lui en reste juste assez pour faire envie à son oncle ou à d'autres. Et pour les frondeurs, les voilà tous dans les bras de monsieur le prince, qui les comble de récompenses pour les consoler après les avoir battus. Madame. Madame, quand le roi sera sacré, j'irai à Reims. Le roi sera là, le nouveau Christ, il guérira mes écrouelles. Là, mon passeport de gueux pour le voyage. L'orgueil porte en lui sa punition. Il rend souvent très solitaire. L'orgueil de monsieur le prince éloignera de lui beaucoup de gars. Ou sa violence. Qu'avez-vous eu à la jambe? Que votre majesté permette à l'ancien aumônier des galères de Toulon. C'est le fer. Cette jambe a eu 5 ans, 3 ans de galère du roi. Oh, madame, si parfois les juges... J'essaierai de ne pas vous faire mal. Ma fille, regardez bien cette jambe pour vous rappeler que ce malheureux a plus de chance que vous de voir le bon Dieu. Parce que c'est très difficile d'avoir une âme quand on gouverne. Tu sais encore prier? Alors prie pour cette femme que tu vois, qui est mère d'un petit roi.
Nous venons de voir le deuxième épisode de Mazarin, la série télévisée réalisée par Pierre Cardinal, avec François Perrier dans le rôle de Mazarin. Nous allons voir tout de suite le troisième, où c'est le prince de Condé qui prend la vedette et mène en quelque sorte les opérations. Père Vincent, je commence à croire comme le cardinal. Durer, c'est déjà une victoire. Une victoire? Mais monsieur le prince de Condé vient bien d'en donner une au roi. Sur tous nos beaux frondeurs, oui. Sur sa sœur, madame de Longueville. Sur son frère, le prince de Conti. Sur le parlement. Sur tous les grands qui se sont amusés à la guerre. J'ai eu la force de vivre. Qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu, dites? On va vous donner une chemise et un bouillon. Mais cette victoire-là bat de l'aile. J'entends pas bien ces manœuvres des grands. Je sais seulement le mal qu'ils font. Ah, je sais aussi qu'hier, au bal de l'hôtel de ville, pour les 11 ans de notre maître, Paris a acclamé notre roi. Et les rues ont même fêté le cardinal. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, que Dieu soit loué. Vous m'aviez conseillé le cardinal. Il est mon seul soutien. Ma fille, j'avais aussi dit à votre majesté que la régence ne ferait qu'agrandir votre prison. Je crois bien qu'elle l'a encore resserrée. Cette paix de Rueil est une boiteuse. Je n'ai pas pu déchirer cette charte. Le parlement rogne toujours sur le pouvoir de mon petit roi. Il lui en reste juste assez pour faire envie à son oncle ou à d'autres. Et pour les frondeurs, les voilà tous dans les bras de monsieur le prince, qui les comble de récompenses pour les consoler après les avoir battus. L'orgueil porte en lui sa punition. Il rend souvent très solitaire. L'orgueil de monsieur le prince éloignera de lui beaucoup de grands. Ou sa violence. Qu'avez-vous eu à la jambe? Que votre majesté permette à l'ancien aumônier des galères de Toulon. C'est le fer. 3 ans de galère du roi. Oh, madame, si parfois les juges... J'essaierai de ne pas vous faire mal. Ma fille, regardez bien cette jambe. Pour vous rappeler que ce malheureux a plus de chance que vous de voir le bon Dieu. Parce que c'est très difficile d'avoir une âme quand on gouverne. Tu sais encore prier? Alors prie pour cette femme que tu vois, qui est mère d'un petit roi. Nous recevons de mauvaises nouvelles d'Angleterre. Cromwell? Il a gagné. Sa Majesté Charles Ier était décapité. Dieu Tout-Puissant. C'est un coup à faire trembler les rois. Nous lui apprendrons doucement demain.
Ce roi Charles Ier décapité, quel malheur. Il avait des merveilles. Cette peinture est une merveille. Combien? Monsieur Jabac n'a pas encore fait son prix, monseigneur. Marchandé, mais acheté. L'art console de l'histoire. Moi, j'aime les femmes qui dorment. Ne sautons pas au nu, monseigneur. Vous n'oubliez pas non plus de fortifier vos alliances. Nous savons l'un et l'autre pousser à la fortune de notre maison. Dieu est témoin. Je sais comment Dieu et vous conduisez la barque. Mais je serai bientôt seul sur mon bord. Mercœur est comme son frère Beaufort. Le sang d'Henri IV les pousse au plaisir et aux filles. Qu'il court aux jupes de toute la cour ne me gêne pas, mais je supporte mal qu'il n'en désire qu'une. Celle de Laure Mancini, votre danseuse de nièce. Ces galanteries me gênent. Ce qui vous gêne, ne serait-ce pas plutôt de me voir m'allié au Vendôme que vous n'aimez pas? Gardez votre petite romaine. Elle ne sera pas duchesse de Mercœur. Je veux que vous me fassiez serment de ne marier votre escadron de nièces qu'à des alliances arrêtées. D'accord avec moi? Ne riez pas! Ne le prenez pas en plaisanterie. Elle est à vous. Je veux que la Rochefoucauld entre en carrosse au Louvre, comme un duc et pair. Mais il n'a pas hérité du titre, le vieux duc n'est pas mort. Eh bien, ils seront deux pour cet honneur. Voilà bien de la magnanimité. Il y a 6 mois, la Rochefoucauld tirait l'épée contre vous. Je pardonne, comme je l'entends. Je veux le gouvernement de Pont de l'Arche pour Longueville. C'est impossible. Et pourquoi, je vous prie? Parce que Pont de l'Arche commande la Normandie et qu'avec la Normandie sans barrière, ajoutez vos établissements, vous voilà plus puissant que le roi. Et moi, je veux Pont de l'Arche, parce que vous en avez fait serment à la paix de Rueil. Et je veux pour Longueville 400 000 livres, seigneur cardinal. 200 000, 300 000 peut-être, en l'arrachant de mes propres biens pour vous obliger. Mais Pont de l'Arche, non. À Rueil, vous et moi avons signé pour un même camp. Longueville était dans l'autre. Ce sont des engagements que l'on prend sans intention de les tenir. Comment? Sans intention? Voilà une belle saloterie! Monseigneur. Un tour de maraud, c'est de la politique des cornifleurs. Que je ne vous rencontre plus jamais, en particulier. Je ne vous saluerai plus. Adieu, illustrissimo signor Facchino. D'orgueil. Et je vous assure, dans ce délire, le moindre appui pourrait l'égarer hors de l'obéissance. Vous ne l'isolerez plus de sa sœur ni de son frère. C'est de monsieur que je veux l'isoler. Une fois coupé de monsieur et des grands, il ne sera plus que monsieur le prince tout seul. Et ses armées sont à Cambrai. Notre plus sûr allié dans cette affaire serait notre tout récent ennemi, le coadjuteur de Gondi. Alors c'est moi qui dois mener la rencontre. Il n'aime que la faveur des femmes. Dans ce cas, il en oubliera de me détester. Ah, ne serrez pas si fort ce collier, je vous prie. Pardonnez-moi. J'ai vu en secret sa plus tendre paroissienne, mademoiselle de Chevreuse, qui aime les compliments. Ce qu'on porte au doigt. 2 très beaux compliments montés sur or fin. Je me suis déjà permis de ménager très secrètement l'entretien. Que faut-il dire à monsieur de Gondi? Il ronronne quand on le caresse. Il suffirait que votre majesté lui laisse entendre qu'en secouant l'arbre où est grimpé monsieur le prince, il pourrait tomber pour lui aussi de là-haut le grand chapeau de cardinal auquel rêve tout coadjuteur. Après, je m'en charge. J'ai vu aussi la mère,
votre ancienne et chère amie Madame de Chevreuse. Elle aime également les compliments. Elle approche aussi bien monsieur que monsieur le prince. Savez-vous que je commence à avoir peur de Condé? Il se conduit en maître? Que Marie de Chevreuse rappelle sans cesse à monsieur que les aigles mangent les agneaux. Pour le moment, elle négocie un arrangement de cette brouille. Il me faut très vite donner le change. Feindre de me réconcilier avec ce rapace. Monsieur le duc de Longueville est nommé au gouvernement de Pont de l'Arche. Je m'engage en outre à prendre l'avis de monsieur le prince pour toute nomination importante, gouvernement ou charge, et à ne disposer d'aucun bénéfice sans l'assentiment de monsieur le prince. Fait à Paris ce 2 octobre 1649 en présence de son Altesse royale, le duc d'Orléans. Eh bien, voici une paix avec traité signé. Monsieur de Longueville, je bois au gouverneur de Pont de l'Arche. Allons, buvez, éminence, prince de l'Église, mon ami. À moi, Pont de l'Arche. Vous, à force de vous dépouiller, vous finirez pape. Ou martyr. Monsieur le cardinal a la grande sagesse d'être un négociateur. Avec la nécessité. J'ai sur ma table un nouvel auteur que je lis parfois, quoique un peu sévère. Il s'appelle Descartes et soutient qu'il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Quand on ne peut pas changer l'ordre du monde, moi, je le peux. Changez donc l'ordre de ces chocolats. Vous qui aimez tant les saints de famille en toile peinte, faites-vous toujours le Pygmalion avec vos nièces? Monsieur de Mercœur vient de s'engager avec ma nièce Laure. Le mariage est pour ce mois. Quoi? Il est un noiraude, un fils de France, un petit-fils du grand roi Henri, ton pruneau! Mais tu te crois donc bien fort, hein, gredin de Sicile? Je vais te la donner, moi, la bénédiction d'un cavalier! Mon cousin! Forcez la mise. Et je n'aime pas perdre! Gare, j'ai dit pas de mariage.
sachiez ce soir. Ne dites rien. J'endure moi aussi ses extravagances. Il veut maintenant me donner un galant. Il a jeté un de ses petits maîtres dans mes jupes. Pourquoi supporter tout ça? Je suis cavalier, je tire l'épée, j'ai fait la campagne, pourquoi? Parce que vous nous aimez, le roi et moi. Parce que vous êtes notre seul secours. Autrefois, quand j'étudiais en Espagne, je lisais tous les romans sur la chevalerie, le point d'honneur. Et puis, je lisais Machiavel. Ensuite, quand j'ai galopé dans tous les chemins du Piémont et du Pô, quand j'ai lancé ma vie vers ce royaume, je savais déjà que le Punt d'Honor est une espèce d'orgueil stupide, que l'intelligence véritable est au-dessus. Ici, ils se battent tous en duel. Ils s'égorgent pour un gant qui a froissé une collerette. Ils sont comme ce fou de Corneille avec son Cid. Ils pensent que l'idée qu'ils ont de leur personne est ce qu'il y a de plus important au monde et que le sang lave, alors que moi je sais que le sang salit. Seulement pour le reste, ils trompent, trahissent, se parjurent ou se vendent. Et c'est moi, le facchino de Sicile, moi qui les méprise. Je voudrais que Dieu vous aide à endurer cet affront patiemment. Non, ma reine, si je vous disais, Dieu est très loin des affaires des hommes. Oui, je l'endure, parce que je sais que je suis plus intelligent que ce prince ivre de morgue ou de vin. Surtout plus nécessaire. Vous priez des heures chaque jour pour que ce royaume ait un grand destin. Moi, je le mène à travers les hommes. Et pour ça, je dissimule, j'adoucis, j'accommode autant qu'il est possible. Croyez-moi, il faut autant de force pour dissimuler que pour paraître. Vous avez un caractère vif et clair. Vous avez besoin de mes feintes et de mes ombres. J'ai besoin de vous, tout simplement. Pas que monsieur et lui sont assez séparés? Pas tout à fait. Pour toucher à Condé et à son clan, il faut que je sois sûr que rien ne bougera, ni chez monsieur, ni chez les grands, ni dans Paris. Gondy et Chevreuse y travaillent. Moi, je vais le laisser maître de tout. Et ramper devant lui. Oui, madame. Ramper. Mais vous le faites roi? Non. Je le laisse seul. Tous vont détester sa puissance. Car il en usera mal. Je vais mettre ce coléreux hors de lui. Promettant enfin, monsieur le prince, de ne marier aucune de mes nièces sans l'avoir arrêté avec lui. Voilà. Voilà les sentiments qu'il faut. Son éminence m'a chargé d'un autre message, monseigneur. Ce soir, s'il vous plaît, de vous rendre au cercle de la reine.
Et si vous prenez la rue Dauphine, comme d'ordinaire, il serait bon de ne pas prendre votre carrosse. Pourquoi? Parce qu'on vous mousquettera, monseigneur. Ah ah! Un tir digne d'une altesse royale. Ah! Dites à monsieur le cardinal que je lui ségrerai de la lettre et du conseil. L'abri, mon plat. Monte! Au palais, comme d'habitude. Fouette! Le petit carrosse noir! Prévenu, le carrosse sera vide. Il y a des coups de mousquet qui ruinent bien des espérances. Comme chantez-vous là? Vous en avez fait tirer un de trop, monseigneur. Quoi? Mais... je vous savais jaloux de mes victoires. Vous voilà jaloux de ma vie. Ne me comptez pas dans votre camp. Et moi dans le vôtre, Condé. Quelle mouche vous pique. Venez-vous. Que remuez-vous, mes petits maîtres? Allez, Jarzé, placez-vous. Chose qu'on dise par la ville que vous, Jarzé, soyez mon galant. Vous me faites pitié, vous et ceux qui vous soufflent dans l'oreille ce joli tour. On devrait vous envoyer chez les fous. Où allez-vous, Jarzé? Ne voyez-vous pas que c'est le vieux galant qui a réussi à faire chasser le nouveau? Restez. Si on voulait vous voir partir, il y aurait du bruit au quartier. Croyez-moi. Cette fois, c'est trop. Il s'attaque à vous. Vous auriez dû faire décapiter quelques-uns de ce joli monde. Vous savez bien que tout se pardonne ou s'oublie, sauf le sang. Le coadjuteur m'a prévenu que Condé fait venir à Paris quantité de gentilshommes de ses gouvernements. Conti et Longueville ont fait de même. Il est capable de vouloir se faire roi. Non. Il vient de rompre avec monsieur. Il n'a plus personne. Maintenant, nous pouvons frapper. Pour une réunion de conseil. Vous aussi?
Que se passe-t-il? C'est un conseil qui risque de nous retenir longtemps, à ce que je vois. Vous êtes gentilhomme comme âge. Va-t-on nous tuer? Sur mon honneur, monseigneur, il ne s'agit que de donjons de Vincennes. Ah, Miossens. Ce n'est plus ici la bataille de Lens, hein? Je suis au désespoir de ce que mon devoir m'oblige à faire. Allons, vite! Pas de lit, pas de dîner. On gèle ici. Rien n'était prévu, monseigneur. Je suis désespéré. Qu'allez-vous faire? Je recarte avec vous, Comminges. Qui sait, si je gagnais? Qui m'aurait dit que Paris allumerait des feux de joie pour avoir vu Condé emprisonné? Beaucoup de filets. Un lion, un singe et un renard. Avec un grand loup rouge tirant sur la corde. Mais quelqu'un avait dû bavarder un peu trop tôt. Le plus petit gibier est passé entre les mailles. La Rochefoucauld, Montmorency, Bouillon, Bussy. Voilà beaucoup d'épées en liberté. Et beaucoup de femmes. Si votre Altesse royale le permet, la messe, ma femme. Notre belle Anne de Longueville va meuter la Normandie et la Bourgogne. Cette petite folle de princesse de Condé va soulever Bordeaux. Eh oui. Vous aviez bien raison. Le Mazarin tient les princes en cage et leurs défenseurs sont en campagne. Mieux valait nous tenir à carreau tête à faire là, n'est-ce pas? Voyons maintenant comment tout ça tourne. Et allons complimenter Sa Majesté pour tous les ennuis qu'elle vient de se mettre sur l'échine. Alors, vous serez bientôt cardinal. Il m'annonce toi, Dominé. Bon. Alors, de temps en temps, tu vois, quand les événements se filochent, tu cherches une occasion de faire le point. Les princes ont été arrêtés quand? Janvier 1650. Les pauvres, Vincennes, Marcoussi, Le Havre. Il doit faire froid, là. Ça va faire juste un an. Alors, tu commences sur l'anniversaire. Ensuite, tu rappelles les grandes lignes. La Normandie soumise, la Bourgogne pacifiée, la Guyenne, enfin là, les vendanges sont arrivées à temps pour les calmer, ceux-là. Dans ces provinces, que l'égarement de la fronde des princes avait soulevé, il a suffi que notre roi paraisse. Où est-on? Il paraît qu'à Bordeaux, il pleurait de rage. Oui, il paraît qu'il disait « Les coquines bordelaines font pas longtemps la loi. Je serais pas toujours un enfant. J'ai châtiré comme il le mérite. » Ensuite, tu passes à la question brûlante. Paris, Paris qui bouge. Une espèce de haine partout contre le Mazarin. Oui, j'adoucis. Une sorte de retenue d'affection. Bon. Alors là, tu y vas par interrogation. Est-il possible que du fond de sa prison, et par la jolie bouche de Marie de Gonzague, princesse palatine, monsieur le prince de Condé se soit si étroitement rapproché de monsieur? Est-il vrai que le Parlement songe à adresser des remontrances à sa majesté sur la captivité des princes? A-t-on songé que monsieur et les grands de ce royaume, de nouveau unis avec le Parlement, et songeant au prince malheureux, tu vois? Je vois, monsieur Renaudot. Le danger pour le cardinal et la reine, c'est les trois frondes d'un coup. Le Parlement, les grands, les princes. Tiens, on pourrait même faire le titre là-dessus.
profonde. Point d'interrogation. Ne vous accusez pas. Cette année terrible nous aveugle tous. Si, si, c'est ma faute. Ma politique devient raide. J'ai commis deux erreurs irréparables. J'ai dit d'abord au coadjuteur, dans un moment où il m'exaspérait, qu'avant que son chapeau rouge ne vienne de Rome, il nous restait encore à le demander. Dans l'instant, j'ai rejeté le coadjuteur à la révolte. Ma deuxième erreur date de ce matin au conseil. Vous veniez de sortir. Monsieur le président Mollet m'avait paru devant les intérêts majeurs de ce royaume. Des espèces de maigres chicaneurs. Ils ne parlent que de disettes, d'épidémies, de défaites, de trésors vidés. À la fin d'une année, d'une révolte folle contre le roi, d'alliance avec l'ennemi. Et je suis vainqueur aux armées. Monsieur, ce pâle arbitre de tout. Ce sont tous des fouilles merdes. Bref, je les ai comparés aux régicides anglais. Monsieur n'attendait qu'une insulte. Il m'a refusé le salut. Et le résultat ? Madame, le Parlement a voté cet après-midi la libération des princes et le renvoi de monsieur le principal ministre. Je ne signerai pas ça. Il faut partir d'ici. Sire, il faut partir. Encore fuir, maman ? Est-ce que je ne suis pas leur roi à tous ? Mon petit roi, il faut que vous grandissiez encore un peu, sans doute. Écoutez-moi, Louis. Je vais vous dire ce qu'ils veulent. Votre royaume. Ils veulent me séparer de vous, tuer le cardinal et vous prendre la France. Que Dieu me pardonne si je dis que votre oncle aussi songe à cela. Sire, vos troupes sont éparses de la Guyenne aux Ardennes. Nous n'avons qu'une centaine de Suisses pour vous défendre. Sire, mon maître, mon filleul, je vous supplie le pardon. Voilà la première fois peut-être que je vous parle vraiment des affaires. Et c'est quand nous voilà à bout. Du dehors, nous rassemblerons votre armée. Nous combattrons jusqu'à ce que vous soyez roi sans partage. Je m'y engage sur ma vie. Quand pouvez-vous partir ? Dans l'heure. Attendons la nuit. Prenez un petit équipage. Monsieur Le Tellier, me donnerez-vous Colbert ? Il est à vous, monseigneur. Venez, monsieur Colbert, allons voir au dossier, brûlez ce qu'il faut. Venez vite. J'ai cru bon vous réveiller, monseigneur. C'est pour cette nuit. Oh, vous serez vicaire, l'abbé. Ocelle, belle Amazone, il nous faut réveiller tous nos amis. Le roi et la reine veulent s'envoler cette nuit. Il faut fermer la cage, fermer les portes, fermer Paris. C'est bien la porte de Richelieu. Qui êtes-vous ? Quartier Saint-Roch, milice bourgeoise. Mais vous avez les couleurs du Mazarin, vous ? Ça trompe l'ennemi. On garde la porte. Ah bon, et nous, on venait justement pour garder la porte. Eh ben, c'est fait. On va garder la porte à ton oreille, on s'est trompé.
Pourquoi ne pas fuir ensemble? Ce serait augmenter les risques. Alors, prenez le roi avec vous. Je pars à cheval. Avec Jeur, mon vieux Bernardin et Colbert. Alors prenez le bijou de la couronne. C'est Colbert qui les portera. S'il arrivait quelque chose, Colbert serait notre messager. Demain, nous serons tous à Saint-Germain. Dans 8 jours aux armées. C'est de nouveau le roi errant. J'ai mis 3 choses de laine, les 2 chemises de Baptiste, la grosse chemise et votre casaque blanche. Tu donneras aussi la petite bague de chasse. J'ai mis le baguette en nacre et aussi les tarots. Vite, il y a une foule en bas, nous sommes trahis. Couchez-vous, Louis. Il faut qu'il vous croie couché. C'est monsieur, il y a son capitaine. Que veulent-ils ? Voir si nous sommes bien leurs prisonniers, bien endormis. Pas le temps de vous déshabiller. Allez, couchez-vous. Il dort comme un ange. Madame la reine, monsieur le coadjuteur, nous a dit que le roi s'en allait. Et s'en allait où, mon Dieu? Venez, monsieur Desouches. Qui va là? Voilà, messieurs, son éminence. Ah, monseigneur, il était temps. La milice garde toutes les autres portes. L'escorte attend à une lieue d'ici. L'escorte suivra le carrosse de la reine. Monseigneur, j'arrive du palais, la reine est prise. Quoi? Monsieur et les coadjuteurs ont lancé la foule pour qu'elle s'assure de la présence du roi. C'est pas possible. Hélas, si, monseigneur. La reine a ordonné d'ouvrir toutes les portes. Elle a conduit les plus hardis dans la chambre de notre maître. Ils sont pris. Le roi est au piège. C'est pas possible. Il ne faut pas que je parte. Il le faut d'autant plus, monseigneur. Non, non, il ne faut pas. La reine a besoin de moi. Monseigneur, vous ne pouvez rien ici pour la reine. Vos mains sont liées.
Dehors, vous pourrez vous battre, venir en aide à Sa Majesté. Ici, vous risquez la vie. Vilquier, leurs majestés sont-elles en personne menacées? Non, certes. Vous vous portez garant de leur sûreté? Sur ma vie. Ouvrez la porte. Jamais je n'ai risqué si gros enjeux et qui me fasse si mal à jouer. Tout est perdu, n'est-ce pas? Allez, monseigneur. Albert, vous avez renvoyé les cavaliers d'escorte? Oui, monseigneur. Bien, bien. D'ailleurs, je ne pourrai pas les payer. Elle en aura peut-être besoin plus que moi. Jeur ne reviendra pas ce soir. Je ne pense pas, monseigneur. Je ne sais que faire sans elle. Il me faudrait une prise ou m'accrocher. Il faut attendre que quelque chose arrive. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit, Colbert. La reine. Leurs majestés sont parfaitement sauves. Il y a des mouvements dans Paris, des bandes de 30 ou 40 chevaux. Des officiers bourguignons, des Lorrains. Le capitaine des gardes de monsieur et l'écuyer de monsieur de Beaufort se rencontrent. Venez vous chauffer, je venais. Le bruit a couru que Sa Majesté voulait partir avec le roi et rejoindre votre éminence pour assiéger de nouveau Paris avec l'armée d'Allemagne. S'il voyait mon armée, nous sommes quatre. Il y a eu aussitôt des piquets de cavalerie autour du palais, et la foule s'y est à nouveau portée pour qu'on lui montre le roi. Leurs majestés sont libres dans le palais. Mes prisonnières de la ville, je vous sais gré, sœur, d'être revenu par cette nuit de Sibérie. Il y avait ça, monseigneur. Monsieur de Bar, gouverneur de la forteresse du Havre, le cachet de la reine, comment avez-vous splé? Dès hier matin, après notre fuite. Le coadjuteur de Gondy et monsieur se sont trouvés maîtres de Paris. Ils n'ont pas osé enlever la régence à la reine, mais ils l'ont obligé à signer des conditions qui mettent les princes en liberté, sans que le roi ait rien en échange, que des paroles. Ce pli est l'ordre de la reine d'ouvrir aux princes les portes du fort du Havre. Monsieur de Lavrière devait le porter. Il est malade. Monsieur Le Tellier m'en a chargé. Le traité secret existait donc bien. Monsieur et Condé, je ne sais comment, ont fait la paix. J'ai également un autre message, secret, de la reine par Mademoiselle Philandre qui a pu me parler. Sa Majesté laisse votre éminence juge de ce qu'il faut faire et de déchirer le pli si vous le trouvez bon. Comment n'y avais-je pas songé? Voilà la prise. Monsieur le prince ne connaît pas l'existence de cet ordre. Assurément pas encore. Quelle est la route sûre pour le Havre? Pont de l'Arche, Cailly, Lillebonne. Nous avons des chevaux? Oui, et le petit carrosse noir. Il y a du monde aujourd'hui à cheval. Je continue de croire que le coup est risqué, monseigneur. Mais c'est le seul que je puisse jouer. Même si Condé sait tout, il s'étonnera, je pense, que le principal ministre de Sa Majesté vienne en personne.
Bon, je sais, je sais. Mais même si je ne suis que principal ministre en fuite, Condé ne pourra que se réjouir de voir un homme qui lui apporte de la liberté et qui... Oui. Mettons qu'ainsi j'ai une chance de pouvoir négocier avec l'autre camp. Une chance de cardinal s'appelle la Providence. C'est vrai, Colbert, la marge de jeu est infime, mais c'est ma seule chance. Et la dernière. Entrez. Mais voilà le messager du ciel en personne. Pas tout à fait, monseigneur, pas tout à fait. Seulement du roi. Aurait-on besoin de moi à Paris? Pour le moment, on a seulement besoin de vous à table. Vous étiez plein de la chair, m'a-t-on dit, j'ai veillé à un dîner plus relevé. Reste-t-il depuis que vous avez fait la guerre à mes vignes en Guyenne? De vos terres de Margaux, prises au combat, cachetées en 1638, une année superbe, celle de la naissance de notre maître. Pas encore 13 ans, hein? Les vins sont comme les rois majeurs à 13 ans. Il s'en faut de bien peu. Allons bon, voilà que je perds toutes mes belles évangélistes. Eh bien, monseigneur, nous allons goûter ce vin. Causer. Faire des projets. Êtes-vous bien en état de faire des projets, monsieur le cardinal? Depuis que vous êtes en France, les princes de l'Église ont le pas sur les princes de sang. Au fait, je me demande si c'est bien prudent. Comment? Je ne crois pas bien prudent de laisser un frondeur comme le cardinal revenir à Paris. Certes pas. Gare le rouge! Mais vous n'allez pas, vous n'allez pas... Adieu, signor Giulio! De savoir dans quel esprit la reine. J'en ai besoin pour vivre. Colbert, vous allez retourner à Paris. Chobard ne suffit plus dans ce péril. Vous allez prendre entièrement en charge mes affaires. De grand cœur. À condition que j'en ai seul la responsabilité. Que ça soit su de tous. Et que j'ai votre entière confiance
jusqu'à m'entretenir avec la reine au nom de votre éminence. C'est un grave marché que nous avons là. Oui, en un grave moment. Demain, vous aurez mes lettres pour Sa Majesté. Je les lui remettrai avec les diamants de la couronne. Vous croyez? Bien. Vous ferez donc ce qu'il convient. Au nord, je ne sais trop où en sont les avant-gardes espagnoles. J'irai vers l'est, vers Péronne. J'irai jusqu'à Rethel. Le gouverneur y était fidèle. Envoyez-moi le premier nécessaire. Quelque argent, quelques hardes, une robe de cardinal. Et puis surtout, surtout, des nouvelles. Veillez à mettre ma famille à l'abri. Pour le reste, sauvez ce qui peut être sauvé. D'abord mes livres. Oui, surtout mes livres. Mes bibles. Et puis, aussi mes peintures. Quand je ne serai plus bohémien. Vous avez mal choisi de vous lier à moi, Colbert. Je crois bien que tout est perdu. Contrôle de voyageurs, messieurs. Vous avez un sauf-conduit, s'il vous plaît? Je suis parrain du roi de France. Et moi, je suis le pape. Qu'est-ce qu'il dit? On attend de te lire. Le sauf-conduit. Tenez, prévôt. Je suis marchand de bras à Anvers. Cet homme est mon commis. Et celui-là, mon domestique. Et vous allez? À Rethel. Bon. Si vous remontez vers le nord, à partir de Vervins, il faut un passeport militaire espagnol. Bonne route. Merci, bonne route. Thank you.
Pour évoquer la fronde, celle de Condé, celle des princes, qui vient après la fronde parlementaire, je suis avec Christian Jouhaud, qui a écrit un livre célèbre sur les Mazarinades, la fronde des mots. Également avec Robert Desimon, la France du 1er et 17e siècle. Et qui va, s'il veut bien, regarder un instant comment, dans un film, on a pu représenter Mazarin et Condé, une scène un peu violente et sans doute imaginée par le réalisateur. Monsieur le duc de Longueville est nommé au gouvernement de Pont de l'Arche. Je m'engage en outre à prendre l'avis de monsieur le prince pour toute nomination importante, gouvernement ou charge, et à ne disposer d'aucun bénéfice sans l'assentiment de monsieur le prince. Fait à Paris ce 2 octobre 1640.